de l'esclavage à la colonisation, en passant par le néocolonialisme, Emmanuel Macron a prononcé un discours gravissime devant le Parlement européen à Strasbourg, où il a clairement invité l'Europe à s'impliquer davantage dans une nouvelle forme de recolonisation du continent africain, sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. Un discours honteux qui nous rappelle copieusement la conférence de Berlin, novembre 1884 à février 1885, où fut décidé le partage systématique de l'Afrique et l'installation de façon durable de la colonisation. Un discours d'une rare violence qui donne le ton sur l'intention de l'Occident de vouloir s'accaparer des matières premières africaines afin de relancer sa machine économique en banqueroute. Comprenez-vous maintenant l'intérêt que suscite la région des trois frontières du Sahel, une région riche en ressources naturelles, convoitée par la France coloniale, un pays qui n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le vol des richesses des pays africains. La multiplication des partenaires internationaux comme la Russie et la Chine est devenue un véritable frein à cette hégémonie affichée de l'Occident sur le continent africain. Macron compte s'appuyer sur les dirigeants africains inféodés à l'oligarchie française pour faire avaler la pilule. Nous pensons notamment à Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Roch Christian Kabore du Burkina Faso et enfin le dictateur Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Il faudrait que tous les Africains mesurent la portée des déclarations controversées et contrastées du président français devant le Parlement européen à Strasbourg sur l'avenir de l'Europe qui se jouerait en Afrique. Cette formulation est un appel à une nouvelle colonisation du continent africain par ceux-là même qui ont commis l'esclavage. L'esclavage qui est considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. La France profonde n'a aucun respect pour l'homme noir. À bon entendeur, salut. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches.